this Duke King Julius style. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 21e épisode sur Outrider World Slayer. Je vais me reculer un peu parce que ça gueule pas mal. On était parti aller voir les quelques anomalies qu'il y a dans le secteur, donc trouver un autre obélisque, c'est ce qu'on nous demande de faire. Je sais pas s'ils veulent que je reparte par là, les jeunes, pour aller chercher tout ça. Je veux quand même passer ici. Il y a une affiche là. Ça va être intéressant. Ouais, je veux bien commencer la chasse vu que je suis sur place. Ce qui serait bien, c'est que je fasse tout ce qu'il y a dans le secteur ici avant de partir à Perpète les Oies. Histoire que je sois pas là en train de me promener à chaque fois sur un secteur ou un autre. Je crois que là, il y aurait peut-être même une bestiole à traquer sur le côté. Bon, on fera ça après. Nous, il faut déjà qu'on passe par là pour notre petite chasse à l'homme. Ce qui nous permettra de nous remettre un petit peu dans le bain. Une fois qu'on aura fait ça et peut-être chassé la bestiole, on ira à ce moment-là chercher un second obélisque. Alors, je sais pas si le chemin est toujours bon par ici. Parce que là, on a tué tout le monde la dernière fois. Donc bon. Je sais pas où est-ce qu'ils sont en train de me renvoyer. Ma chasse. Alors je suis ici. Il faudrait que je me rende là. Peut-être pour passer à côté. Alors je sais pas si je suis en train de m'éloigner de là où j'étais avant. Ouais, chasse, machin et compagnie. Je vais voir. Hein. Je vais voir tout droit. Par contre, mon point, ils me le mettent de l'autre côté. Ah, mais c'est pour l'obélisque. Ok. Je sais même pas si je vais pouvoir repartir par là au final. Bon, on va bien voir. Hein. Ok, éliminer casse-tête dans les anciennes ruines. Alors j'ai mis le point. Alors, je sais pas pourquoi tout à l'heure ça me l'a pas mis directement quand j'ai chopé l'affiche, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est sélectionné et il faut a priori que je reparte d'où je viens. Oh, ça gueule pas mal. Si je pouvais passer mon gros derrière, ce serait tout aussi bien. Là, je suis en train de m'éloigner plus qu'autre chose. Ça me fait perdre du temps, là. C'est pas cool. Donc... Ouais, bah non, mais là, c'est la carcasse. Ça va être intéressant. Moi, je dois aller par ici, alors. Ok, nous voici, nous voilà. Ouais, appuie sur C pour entrer dans la zone. Je vais voir entrer dans la zone. Ouais, comme ça, je vais nettoyer le secteur. Et puis, ça m'évitera de faire des allers-retours et de revenir à chaque fois. Donc comme vous l'aurez constaté aussi, on est lundi. Il n'y a pas de Marvel Midnight Sun. J'avais envie de tout bourriner. Vas-y, dépêche-toi de péter là, que je puisse me remettre dans mon petit coin. Peut-être repartir à feu. Ça prend du bilan. Tête. Je sais pas si mon arme, non, elle est pas encore chargée. Ah si, j'ai une autre charge par contre pour le reste. Je peux peut-être tenter d'avancer un peu. Il est mort, je peux même pas recharger ma santé là. Ouais.
tête à la mort. Je sais pas où il est passé le coup ça. Ok. On peut peut-être sortir de là. On va partir là-dessus. Moi je m'amuserai à équiper tout ça après. On va charger toutes mes armes pour voir. Et après on va aller découper le pépère. On va juste le ramasser. Encore des petites munitions. J'aurais peut-être pu faire péter ça. Moi c'est un bruit mais il n'y a rien à prendre. Là par contre c'est un petit coffre. Ah merci de la ferraille. J'ai ramassé. Bon, je verrai après pour le futal. Ah, quitte peut-être à améliorer aussi l'équipement que j'ai sur moi. J'aimerais bien me faire un set complet aussi, ce serait pas mal. A priori il n'y a plus rien. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Et sur les côtés, il n'y a rien du tout. Donc, il y a des munitions. Ah, les munitions, il n'y a pas un peu de minerai à farmer, les jeunes. Ah, je fais de la tête, je vois rien du tout, mais on entend un truc qui passe là. Ah, bah écoutez, je suis reparti, on va aller se faire la chasse concernant l'animal. Là, je peux plus prendre les munitions qui sont au sol. Il n'y a rien à prendre. Allez, soulève ton point. Elle a peut-être plus vite fait de le dégager que de le reposer au même endroit, mais bon. On va rien dire, hein, c'est pas trop grave. Donc maintenant la chasse. Ça va être intéressant. Ils me le remettent, vous déconnez ou quoi? Je viens de le faire. On va aller faire ça surtout. Je sais pas ce qu'il me mettrait là sur la map. Donc je suis paumé ici. Déjà. Ah ouais, attendez. Ben ouais. Je suis parti mais j'ai pas découpé le type. Merci pour le faire. Ouais, faut que j'y retourne moi. Ah merde, faut que je la reprenne. Oh putain les cons. Bah écoutez, je le retue. Et puis cette fois-ci, je l'exécute. Ça va être intéressant. Autant mettre mes talents à contribution. Ah, je vous jure, c'est pas possible. On se retrouve après. Hein. S'il veut bien se déplacer, ce serait pas mal. Ok, Mur, cette fois, c'est la bonne. Je vais chercher le corps du Petio. Et éviter de repartir sans le dépouiller, ce serait bien. Ou du moins sans confirmer sa mort. Donc il est juste là. On va voir monsieur. Ah, cette fois je peux repasser de l'autre côté. Ok, donc cette fois c'est confirmé. Ah, il n'y a plus l'affiche. Ça va être intéressant. Ah, je me fais farci deux fois quoi. Autant mettre mes talents à contribution. Ah, le scolipère. Ouais, on va y aller. On va traquer la créature dans les ruines anciennes. Et ce serait par là. Je dis pas que c'est là où je viens quand même. C'est pas possible, à moins que ce soit peut-être par ici. Il n'y a rien les jeunes. Faudrait descendre. Ok les jeunes, ouais, ça devrait être par ici. Donc c'est parti. Je sais pas à quoi il va ressembler le bestiau.
Ok, je pète pas le mur, cette fois je passe par-dessus. Ok, bon, je suppose que ça va taper direct. J'ai mon viseur qui... Ça va bien ramasser. Là, il y a rien. Là, les carcasses, je peux rien en faire. Je suppose qu'il faut que je passe direct là. Je passe à droite, puis j'aime. Ah. Mais ici, ici, hein. Aïe. Je suis pensé par des saloperies, hein. C'est bon, hein. Ça fait bien de mourir. Ok, merci pour le petit. On va sortir de là. Ça va être une arme violette ou un tronçon d'armure. Ok, bonne. On va prendre tout ça. Donc on a droit à quoi là? Ouais, elle est pas mal. On dirait la même que celle que j'ai. Mais limite en mieux. Et je verrai pour la mettre et peut-être changer les compétences qu'il y a dessus et rajouter celle que j'ai sur mon tronçon d'armure à la place. Ça peut être pas mal. Donc là, il n'y a plus rien. On va faire un petit tour pour voir s'il n'y a pas un truc à prendre. Et après, on va emprunter le chemin qui nous attend. Il n'y a pas de caisse. Ici, là, au fond. Alors, le loot. Ouais. C'est pas terrible. Là, c'est des munitions, j'en ai pas besoin. Ah bon, on est parti, hein. On va chercher d'autres d'autres structures. Là ça se transforme pas, non, c'est juste la lumière qui éclaire la caillasse. Ah bah allez. Ah si, là, le minerai. Ah, merci du fer. Et là normalement on est bon. Le cassos. Cassos Bamos, je vais retourner ici parce qu'il y a les pouvoirs ancestraux qui nous attendent. Ok. Donc à portée, machin, je m'en fous, j'ai. À part la Yakup pour continuer à travers la forêt, certes. Mais moi j'ai d'autres structures à trouver. La sculpture déformée, suivre. C'est ça que je veux suivre. On trouve un autre obélisque. Lancer par là les jeunes. Peut-être celui qui est juste à... Faut que je passe là. Bon, avant de repartir ailleurs, autant que je finisse de découvrir ce qui s'est passé avec ces fichus artefacts et compagnie, là, et ces obélisques. Comme ça on est bon. On changera de zone seulement après. Ah, je peux pas le passer. Il y a les photos là.
Ça, c'est que même l'arme que j'ai fait des petits coups électriques. Je sais pas si le gros bestiau, faut que je le poursuive. Ou s'il va me tomber dessus à un moment donné, là, ou pas. Je suppose qu'il faut que je passe là. Non, parce que là, il n'y avait rien, on est d'accord, je peux pas escalader. Hein. Ok, c'est parti. Sur le petit tronc, je sais pas s'il va pouvoir descendre après. Y a-t-il quelque chose dans ta grotte? Ah ok, d'accord, je peux passer soit par là, soit de l'autre côté. Là-bas, alors là, je vais farmer ce qu'il y a là, récupérer ce qu'il prenne. Ah, merci. Du fer, du fer, du fer. Merci. Ah, j'espère que je vais pas non plus avoir mon inventaire plein avant qu'on atteigne la zone finale. Sinon, je vais devoir décomposer du bazar. Ok, j'ai fait le tour, il n'y a plus rien. Là, je ne pourrais pas descendre. Donc on va passer ici. Merci les jeunes. Ok. Il fait sombre. Ah, le minerai. Non, c'est des pots en cuir. Pas du cuir tout court même, parce que des pots en cuir, la peau, ça va pas être autre chose. Ah, donc on est bon. J'ai quand même gaffe. Là, c'est Stranger Things la créature. De fou. Ah, merci. Mais ça c'est good. Ouais, il avait la tête des créatures de Stranger Things, le bouson. Il n'y a rien à prendre sur les parois. Ouais. Et du corps en charpie. Alors on va bientôt pouvoir prendre un level, là on arrive à mi-chemin à peu près. On va pouvoir faire évoluer le monde et se faire encore plus mal. C'est formidable. Il y a un autre obélisque par là. Okay. Essayez de voir s'il répond différemment du premier. Je vais d'abord m'occuper de cette manifestation. Passer par ici.
mouru. Ah merci. Il y a un petit qui me crachait dessus tout à l'heure. Bon, j'ai pas besoin de recharger. Infestation décimée. Voyons voir si ce rocher fait quelque chose. Je vais déjà voir ce qu'il me lâche. Il a l'air pas mal celui-là. Je sais pas s'il sera aussi bien que celui que j'ai. Et la culotte là a l'air sympa aussi. Je peux repasser et être tout en violet. Et j'ai récupéré l'apparence. C'est nickel. Bon, écoutez, je vais récolter ça, faire un petit tour. On va aller voir l'anomalie. Hein. C'est bon. Ok, bah écoutez, j'ai pas le choix, faut que je monte ici. Je sais pas si je pourrais d'abord accéder, ouais voilà, ici, parce que si je dois me fight ou je me casse automatiquement. On va passer en mode full épique. Oh, ça va être au cool. Hein. Et par là, il n'y a rien du tout. On parle de la broussaille. Il n'y a que de la broussaille. Les statues, elles représentent quoi là? On dirait des humanoïdes. Des humains, mais je sais pas ce qu'ils foutent. Voilà, donc tout là, c'est bon. Bah écoutez, allons interagir. Je sais pas si je vais me prendre une bourrasque comme la dernière fois, mais bon, on va bien voir. Hein. Wow, wow, wow. Zaidi, c'est un de ces géants. Je ne sais pas si je l'ai tiré de son sommeil ou si c'est l'éclair d'énergie qui l'a attiré ici. Incroyable. Bien sûr, il doit y avoir un lien entre l'anomalie et la faune des Nocs. C'est sûrement à l'intérieur de tout le monde. Incroyable. Oh, c'est con, ça coupe. Pouvez-vous trouver une autre pierre? Quoi? Et faire venir le grand frère du géant? Doc, je commence à regretter d'avoir accepté de participer à cette petite série d'expériences. Je vous en prie, c'est la dernière, promis. C'est... Pour la science, oui, oui, je sais. On a vu, c'était pour la science. On va faire ça maintenant. Et puis, bah écoutez, ouais, on est qu'un sauce, on va voir si on peut accéder direct à un autre obélisque. Hein. Donc, je suis ici. Obélisque des ruines à trouver, pouvoirs ancestraux. Suivi. Qu'est-ce qu'ils me disent d'avoir trouvé un autre obélisque? Mais je sais pas où est-ce que je vais pouvoir aller. Hein. Relique qu'on voit. Soit je me promène, bah de toute façon je suis obligé de revenir ici. Celui-là, je sais plus si on avait fait ce secteur. Bah écoutez, je vais revenir là. Alors attendez. Je suis de retour ici, mais je sais pas si je suis allé à celui-là là. Obélisque court, je crois qu'on était juste là il y a 2 secondes. Peut-être pas ça, c'est peut-être les premiers que j'ai fait. Je viens de faire celui-ci. Statue recouverte par la végétation, ok. Ouais. De toute façon, ils vont bien m'indiquer le chemin. Hein. Oh, mission pleine. Écoutez, je vais trouver un autre obélisque qui me dise d'aller par là. On va bien voir. On va bien voir, mais je peux pas accéder là sur le côté. Hein. Franchement, je vois pas par où aller là. Je vais tourner en rond. C'est tout ce que je vais faire. Anomalie. Apprendre à la contrôler est notre seule chance de nous assurer un avenir sur Enoch. Oh, vous voulez juste contrôler l'anomalie. Je comprends votre cynisme, mais j'ai vu des altérés faire des choses incroyables. Soigner les malades et les blessés, extraire l'hydrogène et l'oxygène de l'air pour créer de l'eau. Imaginez tout ce qui pourrait être accompli si les altérés n'étaient pas empêtrés dans cette guerre. Ça a l'air génial, Doc. Mais la plupart des altérés que j'ai croisés veulent juste détruire tout ce qu'ils voient.
Ok, il me mettait un chemin, mais je pouvais pas y accéder. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il fallait que je parle au doc d'abord. Et je peux pas passer par là. Et ils me disent que, trouver un autre obélisque, il faudrait que j'aille par ici. Et je peux pas passer. C'est pour ça que j'ai rebroussé chemin de ce côté. Alors, de l'autre côté, je pourrais pas non plus. Donc, en plus, je suis paumé ici. Je suis paumé ici. Et je viens de là. J'ai fait toute la végétation. Et il me dirait que c'est au-dessus. Là, le chemin, il est coincé. Donc, si c'est celui où j'étais juste avant, ça marche pas, quoi. Donc, je sais pas s'il faut que je change de zone. Et comme je peux pas avoir accès à la carte générale, là, j'ai juste la carte de du secteur. Là, ils mettent rien. Et ce chemin, il marche pas, là. Donc, bon, je vais tenter de passer par ici, mais bon. Ouais, même là, sinon c'est coincé. Écoutez, je vais essayer de trouver, mais c'est mal barré. Ok, alors là, j'ai trouvé une caisse déjà. On va faire un petit point sur la map. Je suis paumé, je suis paumé ici. Hein, je suis en train de retourner au campement. Ah, donc c'est pas bon non plus. Parce que j'ai vu cette caisse là-bas de loin, je voulais aller la voir. Je vais finir par pouvoir y aller, mais bon. Mais concernant mon bousin, il m'indique l'autre chemin. Donc, ouais, je vois pas là. Je ne vois pas du tout comment je vais pouvoir passer s'il n'y a pas d'interaction possible. Merci de m'avoir aidé, Outrider. Sans les altérés volontaires comme vous, jamais je ne pourrais comprendre l'anomalie. Ok, Mur, j'ai relancé le jeu. Il me répète la même chose et cette fois-ci il me demande de passer par ici. Contrôler l'anomalie. Je pense que c'est un bug avant, mais bon. Mais j'ai vu des altérés faire des choses incroyables, soigner les malades et les blessés, extraire l'hydrogène et l'oxygène de l'air pour créer de l'eau. Imaginez tout ce qui pourrait être accompli si les altérés n'étaient pas empêtrés dans cette guerre. Ça a l'air génial, Doc. Mais la plupart des altérés. Ouais, voix machin, blabla. Ah ouais, je comprends pas le délire, quoi. Il me demande de passer de l'autre côté. Au final, maintenant, faut que je passe ici, quoi. C'est n'importe quoi. Là, il est là, l'hôtel, il est en face. Je sais pas si je vais avoir du bestiau ou du soldat, là. À moins qu'il soit déjà mort. On peut partir là-dessus. Ok. Il n'y a rien à prendre. On va passer tranquille par ici. Je ne peux même pas sauter par deux. De se mettre à couvert. Ouais. Ouais, mais vas-y, mais va te cacher là-bas.
C'est ici, hein. Et lui, il veut pas sortir pour tout à l'heure. Donc on va gentiment le déloger. Ah, tout le monde est mouru. Alors il y en a un qui m'a lâché un tronçon tout à l'heure. Je sais pas si... Ouais, là-bas. Tronçon d'armure ou une arme. Ah, ce sera un casque. Ah, ce sera un casque. Je vais fouiller d'abord avant d'aller plus loin pour voir s'il y a une caisse ou du minerai. Voilà. Et par conséquent, là, il n'y aura rien non plus. Merci beaucoup. On va pouvoir avancer cette fois. En tant qu'ils m'ont fait perdre la... à montrer un chemin qui est pas le bon, j'ai pas compris quoi. C'était bugué sur celui, je crois, en plus. Ah, l'enfoiré, ça fait mal. Là. Je peux pas me présenter à me cacher plus haut. C'est chaud, ils mettent 3 pompes à sortir de leur cachette. Attends, et puis il faut que je me retape tout depuis le début, ça. Forcément, celui qui est visé, c'est le dernier à se pointer, quoi. Super Legion. Allez, mazette, là. On vous attend. Donc battez le pillard Kang. C'est parti, c'est cramé, c'est au même endroit. Avec les autres game pas quand même. Ah, il fait mal, c'est son game. Ça, ça c'est quoi? Ah ouh, il a l'air bien. Hein. J'aime bien le skin. Ah, mon inventaire est plein. Bon, je vais le ramasser après. On va aller taper les autres moustiques d'abord. Aïe.
c'est réglé. Ah, l'obélisque il est là-haut. On va interagir après avec. Pour changer toutes mes armes. Je sais pas s'il y en a d'autres qui vont se planter. Ah, écoutez, je vais démanteler des trucs là. Je vais chercher mon gun. Ok, j'ai enfin fait de la place. On voit tout ce qui est en train de popper là. Et celui-là, je vais le prendre. Alors, j'en ai pris un autre qui est mieux. Et celui-là, si on le pousse un peu, il fera peut-être sûrement plus de dégâts. Et j'aime bien le skin. Voilà, compare. Voilà, comme ça, moi, j'ai le skin. Alors, celui que j'ai normalement. Ah, c'est quasi. C'est pas le même modèle, mais il fait le même dégât. Bon, il a la même visée, la même cadence de tir. Et par contre, le spec. Qui en dessous, l'inventaire. Donc là, en gros, point de fusion. Les tirs créent une fusion infligeant 431 de dégâts dans un rayon de 5 mètres. Et celui que j'avais juste avant. Je crois pas que ce soit celui-ci, à moins que j'avais appliqué un skin dessus. Non, je crois qu'il est là. Avec les petites étoiles là, les losanges. Donc la fusion, les tirs créent une fusion. Un point de fusion, bah, c'est quasiment. Ouais, il y a le même truc. Là, je suis à 431 et là, je suis à 278. Donc c'est pas le même modèle. Mais bon. C'est du kiff-kiff bourricot, les jeunes. Donc maintenant, on peut aller interagir avec le bousin. Et je verrai après de mon côté s'il y a une caisse à prendre ou pas quelque part. Parce qu'au final, j'ai même pas fouillé. Il y a du minerai, je crois. Mais il n'y a pas de caisse. Et je vais devoir remonter. On va aller sauter de l'autre côté. Ok, la caisse, elle est là. Si on prend les gants. J'espère qu'ils vont bien filer le fer. Non, on peut y aller. J'ai vu du minerai en plus à farmer. Où est-ce que je l'ai vu le minerai là? Je trouve que c'est là. Hein. Voilà. Voilà. Du fer. Et là pour le coup. On est bon. Là, on est bon. Je sais pas si ce sera le dernier, mais bon. Vous voyez ça? On le voit tout. On va vous fatiguer. Arrêtez. Oh, ça me fait perdre mes pouvoirs, ce serait dommage. Eh bien, c'était impressionnant. Je devrais retourner voir ce qu'en pense Zaidi. Okay. J'ai ma dose d'obélisque. Oh, bah écoutez, ouais, je pense avoir tout pris. Je pense pas qu'il y ait du minerai qui traîne en bas, donc 15 sources d'amance. Et puis, alors je sais pas s'il veut qu'on retourne ici, je vais y aller pour voir. Et au pire des cas, après on partira ici, quoi. Pouvoirs ancestraux. Ah bah, ils veulent que j'aille là. Ah, ils veulent que j'aille là. Ah, il est où, il y a la... Non, c'est pas Yakov pour eux, c'est Zaidi. Ouais, je... Il est paumé par là. Attendez, me faites pas partir d'où je viens quand même. Il rigole. Oh, mais la blague. Écoutez, je vais essayer d'abord de le trouver là et je verrai après. Au pire, je vais me téléporter à l'autre point d'abord. Alors, ce sera plus simple. Et je verrai de là-bas ce qu'ils me disent, mais là, c'est pas possible. Parce qu'il est posé là, Zaïd. Est-ce que je peux lui parler là? Alors, le spectacle vous a plu. Alors, le spectacle vous a aidé? Je ne sais pas.
D'après ce que nous avons vu, on peut penser que l'anomalie provient des tréfonds des Nocs. Ces obélisques doivent être des genres de conduits. Ils contiennent de l'énergie. Ou la libèrent. Mais j'ignore comment. J'aurais aimé que mon père puisse voir ça. Je suis sûr qu'il aurait eu la réponse. Ok. Mon père aurait réussi à résoudre ceci, j'en suis persuadé. Ah, je sais pas quoi prendre les jeunes, parce que là, la cadence de tir, ça va pas me plaire. Je veux que ça bourrine. Donc à défaut, je vais peut-être prendre ça. Ce sera peut-être mieux que les futales que j'ai prises. Tiago pense que les natifs viennent d'ici. Pour un de mes pouvoirs. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Recharge de bouclier. Lorsqu'un bouclier est actif, recharge. Ou peut-être qu'ils ont migré. Recharger plus de 3 à 471 de bouclier. Ok. Ok, pantalon d'altéri. Bah écoutez, ça c'est fait. Je vais rapporter mes deux primes à l'autre zinzouin aussi. Enfin, aux zinzouins d'ailleurs, parce qu'ils sont deux. Et si on a tout fini dans le secteur, on retournera parler à Jacob après. Déjà, je suis obligé d'aller le voir pour voyager là. Faut y aller, prépare le camion. Parce que je sais pas si on aura d'autres trucs à faire ici. Pouvoirs ancestraux, quêtes disponibles. On reviendra après. Moi, faut que j'aille. Il y a des quêtes, machin et tout. French Touch. Chasseur scolipère, ouais, voilà. Ok, les jeunes, on arrive au boubou. Donc lui, on va lui apporter sa tête pour commencer. Tu veux tester un truc? Ça, ça décape le foie. Ouais. Qu'est-ce que tu manges? Un trophée pour toi. Le scolipère. Ah, le scolipère. Ouais, ce qui est chiant, c'est que je sais pas du tout ce que j'ai. Puis le casque, j'aime pas du tout le skin. Après, heureusement, ça se change. Les tirs critiques augmentent votre puissance de feu de 178 à l'effet cumulable 3 fois et se détériore toutes les 5 secondes. Éruption. La compétence peut être activée une fois de plus avant le début du temps de recharge. Ok. Surchauffé, enflammé, machin et compagnie, ça aurait pu être bien. Plein de chaleur, vague de chaleur. Pire des cas, ça, je peux les enlever. Moi, c'est ce que j'y vise, c'est surtout l'armure, la puissance de... Ouais, bah, après, les bonus que ça apporte, bien sûr. Réduction du temps de recharge. Ok, ça augmenterait aussi même mon temps... Ma réduction de temps de recharge, alors, je vais le prendre. C'est parfait. Et au pire des cas, j'y appliquerai la tête à... Bon, ce qui est chiant, c'est que le casque que j'ai, je crois qu'il est en mode légendaire. Et il y a la grosse tête qui est à côté de l'autre, d'ailleurs. Ça en fait du bousin. Beaucoup de têtes qui se ressemblent, d'ailleurs. Ah, je reviendrai plus tard. Tu sais où me trouver. Ouais. Maintenant, on va porter la tête de l'autre. C'est pas grave. Voilà. Si t'as peur et que tu veux pas affronter cette cible... Ce qui est chiant, c'est qu'elle est pas... Hyper bien éclairé. La peur, je connais. Il a quasiment la même en haut. La même qu'à... Ouais, la même tout court. Ah, on verra pour les autres bestiaux à chasser. On continuera de lancer des missiles tant qu'on ne l'arrêtera pas. Bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se laisser. De toute façon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si t'as les cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Tu bois un verre avec Ujio? Ouais, toujours. Je crois que nous devons parler affaires. Et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification. Cible neutralisée. Pour être tenu au courant de tout cela, et donc on va lui apporter la tête de casse-tête. Là, j'ai le droit à des pétarades. Ouais, celui-là, mais il n'y a pas de viseur. C'est une tannée, les jeunes. Et puis la cadence de tir, pareil. Le skin est sympa, hein, celui-là. Au pire des cas, je le prends pour le skin. Bon, l'autre est plutôt sympathique aussi, noir et bleu. Même le design de cette arme, il est sympa. Très légère. Mais elle ferait peut-être moins de dégâts que celle que j'ai. Alors on va partir sur le Jet Epidemica. Sirène de grêle. Bon allez, c'est parti. C'est toujours un plaisir. Ouais, merci. Je sais pas si les autres armes, on aurait une chance de les looter ou de les trouver ailleurs.
Bah écoutez, voilà. En tout cas, c'est là-dessus qu'on se laisse. Cette fois, c'est la bonne. Ciao, ciao tout le monde. Et surveillez bien. Excellent. Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts. Allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau.